Elles sont encore trop jeunes, David Hallyday répond aux déclarations de Jade et Joy. Invité des Europe un samedi 23 décembre, David Hallyday est revenu sur les déclarations de ses sœurs, Jade et Joy, lors de l'interview qu'elles ont accordée à 7 à 8 le 10 décembre dernier. C'est une guerre médiatique qui n'en finit plus. Point. Depuis la mort de Johnny Hallyday il y a 6 ans, ses enfants, David, Laura, Jade et Joy, mais aussi sa femme, Laetitia Hallyday se livre à une bataille sans merci. En cause, un héritage colossal qui a divisé le clan familial. Si un accord a finalement été trouvé, les vieilles rancœurs ne sont pas près d'être effacées. Le 10 décembre dernier, la veuve du taulier lâchait une salve supplémentaire en permettant à ses deux filles de répondre aux questions d'Audrey Crespo-Mara dans 7 à 8. Bien qu'encore très jeunes, Jade et Joy n'ont pas mâché leurs mots en parlant de leur demi-frère et de leur demi-sœur et en évoquant l'héritage. J'ai pris ça comme une trahison en fait, un abandon, a lancé la cadette, quand l'aînée NY est pas allée de main morte non plus. Ils ont dit des horreurs sur notre mère. Ils ont créé des histoires sur nous, sur notre mère. Des choses très très douloureuses qui viennent de notre propre famille. Pas de quoi enterrer la hache de guerre donc et l'occasion de remettre le feu aux poudres. Ce qui est toujours malheureux et triste. Ces déclarations choc ont plus que soulevé l'ire de Laura Smet de David Hallyday. La fille de Nathalie Baye a d'ailleurs pris une décision radicale après ses propos. Quant à David, il a brisé le silence hier, samedi 23 décembre, au micro des Europe 1, en évoquant les propos de ses deux sœurs. Elles n'ont pas une expérience de vie énorme, je pense qu'elles ne sont pas responsables de ce qu'elles font, elles sont encore trop jeunes, a-t-il affirmé dans un premier temps. Il a ensuite accent aigu ses déclarations en précisant. Ce qui est toujours malheureux et triste, c'est de mettre des jeunes filles ou des enfants à une place inconfortable pour elles et de leur faire subir ce genre de choses quand elles n'ont pas tous les tenants et aboutissants, quand elles n'ont pas fait leur vie encore. Un petit tacle clairement adressé à Laetitia Hallyday. Le fils de Sylvie Vartan a conclu en remettant en cause l'éducation de la femme de son père. Moi, mes enfants, je les ai beaucoup protégés et j'ai bien fait, mais chacun sa façon de faire les choses. Mon père et ma mère ne m'ont pas éduqué, ni moi ni personne dans notre famille, à déballer son linge sale en public, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Voilà qui devrait certainement apaiser les tensions familiales.